Permettez-moi de commencer par remercier vivement les chefs d'État ici présents pour l'honneur qu'ils nous font en présidant cette cérémonie de lancement des travaux de cet important projet de la Dorsale Nord. L'une des plus grandes problématiques de l'Afrique en général et de notre sous-région en particulier demeure l'accès à l'électricité. En effet, près de 600 millions d'Africains, dont 180 millions vivant dans l'espace CEDEAO, n'y ont pas accès. Mesdames, Messieurs, le projet WAP Dorsale Nord qui nous réunit aujourd'hui est un projet qui vise à relier le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo par une ligne de transport haute tension 330 kV afin de faciliter un échange d'énergie électrique initial estimé à 430 MW à partir du Nigeria qui pourrait atteindre plus de 600 MW dans les 5 à 10 années après sa mise en service. Je ne terminerai pas mon propos sans exprimer ma profonde gratitude aux partenaires techniques et financiers du projet ainsi qu'à toute la communauté des partenaires du WAP pour leur soutien inestimable. Je vous remercie.